Merci Magic Horse, merci pour ce 8e mois. On arrive tout de suite pour ce pré-live international. Plusieurs sujets qu'on va essayer de faire en laser. Et ensuite, on partira chez Kali pour le couvre-feu, comme chaque jeudi. Vous connaissez le programme. Thank you.
Yes, yes. Et merci Gaulois Kiki. Merci pour ce deuxième mois d'abonnement. Dernier val à toi. Et normalement, en plus, les lumières fonctionnent aujourd'hui. Ah, c'est le monitoring qui fonctionnait pas. Et je vous accueille aujourd'hui sur l'OST de Wrath of the Lich King, que j'ai pas connu comme extension à l'époque, même si je l'ai dû me la taper comme toutes les précédentes à l'époque de Légion. Comment allez-vous aujourd'hui? J'ai envie de vous dire ce soir, mais on n'est pas vraiment le soir. Vous avez compris la méprise. Et oui, quand la radio la plus nocturne de tout Twitch fait des horaires un peu étranges. Pourquoi la lumière est restée de la mauvaise couleur là-bas? Voilà qui devrait être mieux. C'est quand même plus joli, on est d'accord. De quoi on va parler aujourd'hui? Avant chaque début d'émission, j'aime bien remercier les tipeuses et les tipeurs qui la rendent possible. N'hésitez pas à votre bon cœur, monsieur, dame. J'ai pas trop le temps de faire les rappels aujourd'hui parce qu'à 18h, il y a le couvre-feu. Mais voilà, j'avais des sujets en rab et je me disais on n'aura pas le temps de tout caser dans le couvre-feu. Et ce sera peut-être un petit peu trop lu pour Kali. Merci à Magicorps, à Snuggly, à Jujumouz, Aurélia, Daniavad également, aux Anonymes, Lono Uchiwa, Victoria, Morgat, Kalex, Norcad, LOL, Rodpa, Apa Techno, Dracon, Trébul et Laskin. Sans qui, les émissions que vous voyez ne seraient pas possibles, hein, tout simplement. Hein. Moi, je ne pourrais pas continuer à faire du contenu sans votre soutien. Donc, merci d'autant plus. Laskin qui est parmi nous en plus. Change le titre Diamond. Ah, le titre n'est pas bon. Alerte, alerte, le titre n'est pas bon. Mais il me semblait l'avoir changé. Et en fait, non. Est-ce que c'est mieux? Est-ce que ça l'a changé, là, sur YouTube? Sur YouTube, sur Twitch. C'est celui du précédent. Ouais, j'étais persuadé de l'avoir changé. En fait, non. T'as intérêt à assurer. J'ai coupé un débat de Gérard pour t'écouter. Écoute, je sais pas si ce sera aussi divertissant qu'un débat de Gérard. Par contre, l'avantage, c'est que ce sera peut-être un poil plus d'actualité, même si les débats de Gérard sont indémodables. Non, mais répondez pas quand je parle. Mais on n'a rien dit jusqu'ici. On a la paléoclimatologue Valérie Masson-Delmotte qui s'est exprimée, qui a participé au rapport du GIEC sur les accords issus de la COP28, où voilà, la motion sur laquelle les gens se sont mis d'accord a été remaniée. On parle, et c'est historique pour une fois, d'une diminution des énergies fossiles. On nomme les énergies fossiles, ce que on ne fait pas. Pourquoi on l'a pas fait dès les premières COP? Je ne comprends pas. Et par contre, ouais, voilà, c'est d'ici 2030, on aimerait commencer à diminuer, peut-être qu'à 2050. Voilà, normalement, on était censé parler d'une date arrêtée pour la neutralité carbone. Finalement, ça n'est pas le cas sous l'impulsion des personnes qui ont des billes dans le pétrole. Un emploi fictif au canard. C'est un peu ironique. On regardera ça en bref. Le massacre à la tronçonneuse qui commence en Argentine. On aura du bonus qu'on n'aura pas le temps de regarder, mais je vous le mettrai en lien. Gaza, un entretien avec Bertrand Badi. L'impuissance de la puissance militaire. L'impasse plutôt de la puissance militaire, mais non, mais l'impuissance paradoxale de la toute-puissance militaire, puisque elle finit. L'assurance qu'elle nous donne finit par nous conférer. Cette puissance qui nous confère de l'assurance, en fait, cette assurance finit par nous nuire généralement. C'est pour ça que, notamment, le 7 octobre, beaucoup le comparent au 11 septembre. C'était aussi la même chose. C'est qui pensait que les États-Unis pourraient être touchés sur leur territoire à l'époque? Ah voilà, il est politiste, Bertrand Badi. Donc ça veut dire que c'est pas un escroc comme les politologues, c'est ça? Ou c'est l'inverse? Ou est-ce que c'est un escroc? Je ne sais pas, mais on regardera quand même ce qu'il a à nous dire. Une nuit à défendre le ciel de Kiev. Alors on a Mediapart qui a passé une nuit là-bas. Puisque la capitale, de nouveau la capitale ukrainienne, qui fait l'objet de tirs à mesure que Poutine s'enhardit, pré-shot un plus faible soutien des États-Unis et peut-être de l'Union Européenne. Il est question de 61 milliards de dollars accordés comme aide des États-Unis à l'Ukraine. Hein, on en avait parlé, c'est pour ça que Zelensky s'était déplacé là-bas. Sauf que les Républicains coincent un peu pour le moment. Et en parlant de l'Ukraine, on a l'adhésion de l'Ukraine à l'Union Européenne et le blocage de Viktor Orban. Alors d'ailleurs, un blocage un peu ironique, on regardera ça. On a des infos sur le Yémen, je ne sais pas si on aura le temps, sinon on le mettra dans LCF. Et qu'est-ce que j'avais d'autre? Ouais, le domicile à Gaza, ça ce sera pour LCF aussi. C'est un article de qui? J'ai pas noté de qui c'était. Je sais plus si c'était pas le New York Times. Et Delsim qui allume la lumière en rose. Badi, un vrai géostratégicien.
j'imagine. C'est l'un des rares vraiment intéressants car il prend en compte les intérêts, le son reste beaucoup trop fort, les intérêts et les opinions des populations États du Sud dans ses analyses. Bah on regardera, on lira ça, en tout cas je crois que c'était dans le Libé d'aujourd'hui. Bah si les modos veulent, s'il y a des modos qui veulent me rejoindre en vocal, vous le pouvez, sinon on n'aura pas le temps de faire de la radio libre. Merci Noctoparo, la collectivisation vaincra, qui offre un abonnement à Majra Mangetsu, Daniaval à toi. Merci beaucoup pour ce soutien. Petite gorgée de café, on y va ? Ça me semble être un bon compromis. Qu'est-ce que vous en pensez ? Bah, même si vous n'êtes pas d'accord, c'est ce qu'on va faire. Donc, le premier sujet, oui, donc, bah, Valérie Masson-Delmotte, on le proposera à Cali. Le premier sujet, du coup, on disait... Bon, là, c'est peut-être un petit peu trop timide, la leçon. On ne l'entend plus du tout. Et c'est un petit peu ironique parce que c'est un article de Mediapart de Fabrice Arfi et Karl Lask qui nous le rappelle. C'est un petit peu ironique de la part de... On dit souvent, voilà, il reste plus que Mediapart. Alors pour le... Allez, on va dire pour 80% des dossiers qui sont dévoilés, c'est une grosse partie Mediapart et le reste, c'est le canard. Et puis, à la marge, ça peut être d'autres rédactions aussi, hein, y a pas que. Mais quand même, principalement, et voilà, eux qui ont changé le cours de l'élection de 2017 avec la révélation de l'affaire Pénélope Fillon, bah là, c'est le tour d'un des dessinateurs du canard, André Escaro, et notamment de sa femme, qui sont suspectés d'emploi fictif. Et alors ça représenterait un paquet de thunes, hein, parce que pour Escaro lui-même, ça représenterait 3 millions d'euros de salaire sur un quart de siècle de 96 à 2022, mais ça a été ramené à 1,45 million parce que voilà, il y avait des faits qui étaient prescrits quand ça datait de plus de 12 ans, même si c'est quand même le double de la durée qui serait à considérer. Je vous invite à regarder l'article directement, on n'aura pas le temps de tout lire aujourd'hui. Et le massacre à la tronçonneuse qui commence en Argentine, bah, il nous avait prévenu, hein, il était armé quand même. Alors un article, comme souvent les articles économiques qui est signé ici par Romaric Godin. Donc voilà, il nous avait prévenu, hein, qu'il voulait couper les dépenses publiques à la tronçonneuse. J'aime bien le billet du coup avec la tête de Millet. Il est crédible. Hein. Les cheveux, il y a trop de cheveux pour le billet par contre. Donc voilà celui qui se faisait appeler Captain Ancap pour Captain Anarcho-Capitaliste a largement oublié sous la pression de la droite traditionnelle ses rêves de dollarisation. Là, on n'est plus sur une dévaluation du peso argentin et de fermeture de la banque centrale. D'ailleurs, il y avait un autre article qui datait d'il y a deux semaines où il disait... Ouais, enfin je sais plus s'il était d'il y a deux semaines, mais un précédent article, peut-être de la semaine dernière, qui disait que finalement d'une position... anarcho-capitaliste, donc extrême capitaliste, il était, en fait, c'était devenu plus du néo-capitalisme, du néolibéralisme. Et c'est ce qu'ils vont détailler ici un petit peu, notamment ce qui se fait sous l'impulsion de son, ou via son ministre des Finances, Luis Caputo, qui est un ancien de Macri. Souvenez-vous, Macri, c'est pas très très différent de Macron dans la prononciation. Bon, bah voilà, c'était du bon gros libéral qui est censé être un peu moins énervé, mais qui avait apporté son soutien à Javier Milei, donc quand même figure d'extrême droite sur pas mal de sujets. Et je crois pas forcément sur tous. Je crois pas, par exemple, que ce soit très LGBT-phobe, mais en tout cas, sur l'économie, on vous promet quand même pas mal de souffrances, d'autant qu'il y a des précédents de ce genre de projet qui ont été tentés. Et salut à Karakir, qui nous rejoint sur le chat. Salut Mob Deep. Dans une intervention télévisée, plusieurs fois reportée et reprise, cet ancien de la Deutsche Bank et de JP Morgan a commencé par justifier la nécessité d'une baisse rapide des dépenses de l'État. Ah, yes, ça, c'est la base, l'austérité. Vous allez voir, l'austérité, ça va y aller. Et merci Dadaou76 Daniavad pour ton 9e mois d'abonnement déjà. Accusant l'administration kirchneriste sortante d'avoir alimenté l'inflation, alors kirchneriste pour aller vite, parce que les Kirchner c'était un peu avant, actuellement à 133% par an, donc on n'est pas encore dans l'hyperinflation, mais ça devient un peu inquiétant. Par la dépense publique, Luis Caputo a affirmé avoir le pire héritage de l'histoire argentine. Rien que ça. Alors ici, eux ils disent mais c'est même un siècle, hein, ça date des années 20, mais du 20e siècle. Le récit gouvernemental s'appuie sur cette idée. S'il n'y a pas de choc budgétaire massif et rapide, le pays est condamné à l'hyperinflation. Donc voilà, il n'y a plus d'argent. Ça, on nous dit pas qu'il n'y a pas d'argent magique, mais c'est pas loin. Et l'objectif, donc voilà, c'est éliminer de 5,2% du PIB argentin, un déficit du PIB. Alors,
comment ils vont s'y prendre, on nous détaille un petit peu le menu ici. D'abord, les amuse-bouches, destinés à faire accepter les mesures plus violentes. La réduction des postes dans les administrations publiques de 34%. Yes, yes, donc ça, c'est pour s'échauffer. Et la fin de la publicité officielle financée par l'État dans les médias. Et vous êtes en train de lancer un train de la hype, n'hésitez pas. Est-ce que le train de la hype est lancé? Wouhou! Et ben, j'ai envie de faire la chanson. Dind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 
Ce secteur représente entre 15 et 20% du PIB argentin. Les travaux publics. Et merci Mourasoro qui nous fait le don basé. Si tout le monde faisait comme Mourasoro, eh bien la barre que vous voyez ici serait remplie. Et le plus gros dossier qui existe sur internet de moi, vous le verrez. N'hésitez pas à faire de même. Mais le clou des annonces de ce 12 décembre, c'est celle concernant une dévaluation brutale. Ah oui, là c'est le double. Enfin, ou la moitié, du coup, à l'export, au taux de change, du peso argentin qui va perdre plus de la moitié de sa valeur officielle en dollars, passant d'un peu moins de 400 pesos pour un dollar à 800 pesos pour un dollar. Ce changement s'accompagnera d'un nouveau régime de change où la banque centrale, la BCRA, sera autorisée à ajuster à la baisse la valeur en dollars du peso chaque mois. Donc ça va continuer, donc de 800 pesos peut-être, ça va faire du coup 960 pesos ou un truc comme ça. Certes, ça fait 20%. Bon bref, vous m'avez compris. 816 pesos. Certes, le niveau reste inférieur au taux de change non officiel qui s'approche de 1100 pesos par dollar. On avait vu que du coup, il y avait un cours officiel, il y avait un cours dans la rue. Mais ce niveau n'est pas le niveau réel du peso. Il correspond à un marché étroit où l'accès au dollar est extrêmement restreint au-delà du taux de change et de la disponibilité de la monnaie elle-même. Hein. Les autorités précédentes avaient d'ailleurs cherché à éviter la dévaluation du peso pour éviter d'alimenter encore davantage l'inflation. Bon, là, la stratégie n'est plus la même. Et d'ailleurs, ils nous promettent que ça va être dur dans les premiers temps. Maintenir un taux officiel relativement élevé avec un contrôle étroit des importations avait sans doute des désagréments, surtout pour les groupes agro-exportateurs, mais il permettait de ne pas s'engager dans une spirale inflationniste supplémentaire. Oui, les spirales inflationnistes qu'on vérifie dans l'histoire, pas les spirales inflationnistes salaire-prix. Qui se vérifie très peu ou seulement en partie. Rappelons que, malgré son taux d'inflation très élevé, l'inflation n'est pas en période d'hyperinflation qui est définie par un niveau de baisse des prix, de hausse des prix de 50% par mois. Alors on était quand même à 150% sur un an. Donc plus du doublement de la moyenne des prix. Le problème de l'Argentine est la dépendance de son économie aux importations, étant principalement construite autour des exportations agricoles. En dévaluant brutalement le peso, on renchérit aussi brutalement le coût des importations et donc les prix à la consommation. Mais ça, ils vont nous expliquer. C'est fait exprès, c'est voulu, c'est anticipé. Alors jusqu'où c'est anticipé? Cela sera d'autant plus sensible que les taxes à l'importation seront augmentées, revenant à un taux de change à l'importation de pas moins de 1320 pesos pour un dollar, s'il vous plaît. En parallèle, les contrôles à l'importation seront réduits. Cette décision va surtout profiter aux exportateurs agricoles, encore eux, qui, malgré une hausse modérée des taxes à l'exportation, vont bénéficier d'une très forte augmentation de leur compétitivité. Bah oui, du coup, puisque avec tout autant de demandes, même si moins d'argent pour la satisfaire, et du coup, pas forcément, potentiellement moins de concurrence, vont bénéficier d'une très forte augmentation de leur compétitivité au détriment de la plupart des travailleurs et des retraités. Ah ouais, surtout que les retraites, elles seront plus indexées, qui n'auront aucune protection contre la hausse à venir des prix. Ceux qui vont aussi en profiter seront les détenteurs d'épargne en dollars, qui verront leur pouvoir d'achat augmenter. Ah, et si les prix ne changent pas autant en pesos par rapport au taux de change, par contre, ton stock de dollars, lui, reste le même. Bref, on a là une politique de classe caractéristique du néolibéralisme. Et c'est sans surprise que dans un communiqué, publié peu après les annonces de Luis Caputo, que vous voyez ici, les bras croisés, avec même son regard est austère, le FMI a salué des décisions initiales courageuses du nouveau gouvernement argentin pour renforcer les finances publiques. Ah bah le FMI est content, il l'a dit. Là il est content. Ça, l'austérité, ils sont toujours contents. Bon, les peuples moins, hein. Généralement, eux ils souffrent un petit peu plus. Alors attendez, j'essaie de décoincer le fil de mon casque. Qui aime bien se prendre dans la roue. C'est plutôt sympa. Ah ouais, non, mais là, il est complètement... Ah, au secours ! Au secours, comment je fais pour l'enlever ? Voilà. Bon, bah, j'ai démonté ma chaise, mais j'ai réussi à décoincer mon casque. Et ça ? Ça fait quand même plaisir. Putain, je me suis mis plein de graisse de chaise ! J'ai plein de graisse de chaise sur la main. Attendez, je reviens. Je reviens parce que, bah, je vais pas en foutre partout. Je vous mets de son à balle. Ça valait vachement le coup quand même de faire le setup pliage de fil, hein, du téléphone.
versatile. Je t'envoie mon switch. Tu peux faire dodo dedans si tu veux. Ah, vous savez, c'est les graisses là qu'ils mettent pour les vérins. Les vérins qu'il y a sur ces chaises. Ok, Google allume le salon en bleu. Du coup, vous avez réussi à faire bugger ma lumière. C'est encore la garde au FMI? Je crois pas, je suis pas sûr. Après, la politique du FMI, ça c'est plus... En fait, les dirigeants du FMI sont désignés parce qu'ils sont d'accord avec la politique globale libérale, libre-échangiste et austéritaire, des prêts en échange de l'austérité, etc. quoi. Donc, et du coup, on va peut-être pouvoir baisser. Surtout que là, c'est un peu mode flûte de pan, donc c'est pas très ouf. Maintenant, c'est Kristalina Georgieva, l'ancienne dirigeante de la Banque mondiale. Tiens, d'ailleurs, ça me fait penser, vous vous souvenez, Eva Kaili, qui était la vice-présidente du Parlement européen, elle a encore une affaire sur le dos. Elle aurait mis en relation avec des lobbyistes. Alors, je ne sais plus si c'était des armateurs grecs pour pouvoir contourner les restrictions avec la Russie. Et pouvoir continuer à faire le business as usual, quoi. Donc, voilà. Elle serait inquiétée aussi par rapport à ça. Je n'ai pas spécialement creusé le sujet. Voilà, je vous fais tous les sujets en speed, aujourd'hui. Donc, le FMI qui est content. Avec une telle politique, une récession violente et profonde semble inévitable. Luis Caputo ne l'a d'ailleurs pas caché, là, ils le disent, en affirmant que pendant quelques mois, leur situation sera pire qu'auparavant. Ah, bah, ça fait plaisir. Parce que pour l'instant, ça allait tellement bien. Il en est si conscient qu'il a même concédé quelques ajustements sociaux minimes pour tenter d'amortir le choc pour les plus pauvres, notamment un doublement des allocations familiales et une hausse de 50% des bons alimentaires. Des mesures qui trahissent la certitude d'une hausse violente de la pauvreté à venir dans un pays où le niveau de pauvreté atteint déjà 40% de la population. Ça va, tout le monde est servi. Ou plutôt, c'est l'inverse. C'est la promesse classique des politiques d'austérité qui se présente toujours comme une forme de mal nécessaire, temporaire, qui débouche sur des lendemains qui chantent, mais la question de l'ampleur et de la durée de la récession n'est pas si simple à résoudre. Dans l'esprit des concepteurs de cette politique, l'austérité permet de rétablir une forme de vérité économique. La monnaie étant considérée comme une perturbation du bon fonctionnement des marchés, oui, puisque suivant sa valeur, dont l'inflation est le symptôme. Les restrictions budgétaires et monétaires permettraient de retrouver l'équilibre réel entre l'offre et la demande. Évidemment, il faut en passer inévitablement par une compression de la demande. Eh bah oui, parce que les gens sont plus dans la merde, donc ils ont moins de pouvoir d'achat, donc ils achètent moins. Donc y a peut-être toujours, pour dans un premier temps, autant à vendre. Laquelle est acquise dans un premier temps par la hausse des prix, qui reflète alors la vérité des prix, là encore la vérité, et par la hausse des dépenses sociales. Le risque d'inflation causé par la dévaluation sera alors compensé par la baisse de la demande, permettant finalement, et c'est ça qui est beau, la baisse de l'inflation grâce à l'inflation, c'est quand même bien fait. Bon, ça a l'air magique, mais dans des propos révélés par le quotidien conservateur La Nation, l'équipe Milei ne cache pas que la récession a pour fonction de réduire la hausse des prix. Elle est donc recherchée et souhaitée. C'est rare qu'on ait notre projet, c'est la récession. C'est vraiment des bigots du capitalisme. Non, mais là, on est d'un niveau très, très élevé. C'est... Je sais pas si ça te fait réagir comme moi, Moura, mais je trouve ça plutôt rigolo, cocasse. Dans le projet d'austérité, ce retour à la réalité permet ensuite de poser les bases d'une croissance saine où l'investissement privé peut profiter des coûts réalistes et d'une confiance dans l'avenir. Mais les expériences passées d'ajustements budgétaires racontent d'autres histoires. Il arrive, souvent, que la violence de la récession empêche précisément cet ajustement. Dans ce cas, la compression de la demande est telle qu'elle entraîne une compression de l'offre, cette fois pas que de la demande, et des recettes fiscales. Bah oui, une compression de l'offre, une compression de la demande, en fait, c'est simplement une compression de ton économie. Ce qui oblige à de nouveaux ajustements. Cela est souvent alimenté par le fait que la politique de classe austéritaire est contre-productive. Loin d'inciter les élites politiques à investir dans le pays, elle dirige les flux monétaires vers des élites qui s'empressent de les placer à l'étranger. C'est cette spirale infernale qui s'est abattue sur la Grèce dans les années 2010. Souvenez-vous, pourquoi pas. Il y avait des gens, les élites grecques, qui plaçaient leur argent en Allemagne, même à taux négatif. Tellement ils n'avaient pas confiance dans leur économie. Pourquoi? Ben parce que les riches, ils font pas ça, on le sait bien. Les riches, ils oseraient pas. Ils sont pour le social et le partage des richesses. Les riches, quand même. Ils sont pour le ruissellement.
Effectivement. Milei Melo d'idées complètement niquées, je l'ai résumé, moi. Est-ce que t'as suivi, toi, les dernières annonces côté argentin, l'ours? Ou est-ce que tu les découvres avec cet article de Romaric Godin, un peu comme moi? Il y avait aussi en bonus, je vous mettrai un podcast d'une heure de France Info qui était assez éclairant sur le sujet. Je les découvre avec toi. Mais bon, ça ne m'étonne guère, hein, de toute façon. Après, il n'y a plus Bon. rien qui m'étonne de toute Alors, façon. après, aussi, moi, ce qui m'étonne, c'est que finalement, effectivement, on dirait plus un projet néolibéral assez énervé que vraiment le truc libertarien dont il parlait, quoi, pour le moment. Bah, c'est une transition, hein. Enfin, je veux dire, là, tu regardes la désindexation sur les salaires et tout ça, pour moi, ça me rappelle la trahison de Mitterrand. Et Mitterrand qui a fait dans du full libéral. Oui, alors, il Bon, se disait pas bah. libertarien non plus, tu vois, mais. Oui, non, mais. Enfin, je veux dire, le mec qui se dit libertarien, donc qui est quand même bien là à sucer les institutions économiques, quelque part, bien sûr qu'il va faire des trucs comme ça, tu vois. Et parce qu'il n'aurait pas été au pouvoir s'il n'avait pas été aussi consensuel. Enfin, voilà, le pouvoir ne tremble Non, absolument pas alors quand là, t'es c'était un petit libertarien. peu l'inverse. C'était en étant provoque qu'il a été au pouvoir. Et dès que il l'a eu, il a essayé de dire aux gens, oui, non, mais vous inquiétez pas, ça va pas non plus être l'apocalypse. On a prévu le coup. Bref, je continue l'article pour pas trop prendre de retard. Donc c'est cette spirale qui s'était abattue, si on se souvient, sur la Grèce. Et le risque ne peut pas être écarté pour l'Argentine de 2023, compte tenu de l'état déplorable. On l'avait déjà vu dans d'autres émissions, le détail, de l'économie argentine et du manque de confiance des plus riches dans le peso. Ah, surtout là, il vient de perdre la moitié de sa valeur, donc littéralement. Rien ne dit donc que l'Argentine sortira de la crise au bout de quelques mois parce que les dépenses publiques auront été violemment réduites. Cette vision économique magique ne s'appuie que sur des modèles contestables et non pas sur des faits passés. Quand on vous dit que c'est une religion, hein. La réalité est que le pays doit se préparer à une crise violente qui, logiquement, touchera d'abord les plus fragiles et les travailleurs. Les plus riches, eux, seront favorisés par la dévaluation, mais n'auront guère d'intérêt à venir placer leurs dollars dans une économie ravagée par l'effondrement de la demande et sans perspective. La vraie question, c'est pour ça aussi, compression de l'offre aussi, quoi. Mais du coup, c'est. Ah, ouais, je suis impressionné de ce qui va se passer. Hein. C'est que les riches, bien sûr que là, tout de suite maintenant, ils n'ont pas intérêt à investir, mais dans très peu de temps, ils vont se dire, bon, bah voilà, maintenant que tout s'est bien cassé la gueule et que c'est au moins cher possible, on va pouvoir piller toutes les ressources naturelles pour que dalle. Et tous les propriétaires, tous les paysans, propriétaires terriens, donc ils sont somme toute assez pauvres, bah, seront encore plus pauvres et plus dépossédés de leurs biens et tout. Oui, mais bon, Voilà. étant donné qu'ils sont quand même dépendants de leurs importations, d'évaluer à fond la monnaie, je sais pas trop, mais bon, on verra. La vraie question sera désormais de savoir si la mobilisation sociale sera capable de freiner cette politique qui ne prend personne par surprise et a été validée lors de l'élection le 19 novembre dernier par 56% des électeurs. Le pari de Javier Milei est sans doute que le rejet de l'administration péroniste sortante et de son incapacité à gérer la crise inflationniste et la perte de niveau de vie assureront un soutien, ou du moins une forme de neutralité du public au choc budgétaire qui se dessine. C'est finalement ce qui s'était passé en 1979, lorsque Margaret Thatcher était arrivée au pouvoir. Le choc néolibéral conservateur avait conduit le PIB britannique à se contracter en 1980 de 2,1%. Ouais, c'est à peu près les valeurs qui sont anticipées. Le taux de chômage était passé de 5% en 1979 à 12% en 1984. Mais le rejet des politiques travaillistes et de la période inflationniste des années 1970, alimentée par une bataille culturelle intense, était tel que la première ministre avait pu maintenir sa popularité, la dame de fer, et mener sa politique de transformation sociale. Même si tous les indicateurs sont rouges, tu vois. Mais il y a aussi une autre dimension à cette affaire. La stratégie du choc permet de créer un point de non-retour, dans la mesure où tout retour en arrière deviendrait encore plus coûteux. Sans compter qu'elle s'accompagne toujours d'une dimension répressive, qui s'est incarnée dans le cas britannique par la grève des mineurs de 84-85, les coups de matraque et plus si affinités. L'expérience Thatcher semble indéniablement la référence de l'équipe Milei. Dans son propos liminaire, Luis Caputo, donc on rappelle le ministre de l'économie, n'a pas seulement annoncé vouloir rompre avec l'administration passée, mais avec 100 ans de décadence, 100 années de décadence. L'objectif est donc, comme dans les années 80 au Royaume-Uni ou aux États-Unis, dans une volonté de changer la société pour aller vers une marchandisation généralisée. Bah, généralisée, mais par contre, pas de.
pas une augmentation du niveau de vie généralisé. C'est là, sans doute, que le candidat Milei peut encore comprendre et soutenir le président Milei. Oui, puisque du coup, on s'amusait de la campagne et maintenant. Reste à savoir si la société argentine l'acceptera et sera prête à en assumer le coût pour un bénéfice souvent illusoire. Conclusion doumante et article compact de Romaric Godin. Mais voilà, j'aime bien de temps en temps lire ces articles de Vulga économique. Est-ce que tu as un mini retour à faire, l'ours, avant qu'on passe à Gaza pour continuer l'international? Ce qu'ils sont en train d'essayer de vendre, en fait, c'est le sophisme des couilles récupérables, quoi. C'est-à-dire, vous en avez chié pour aller dans cette direction, donc si vous revenez en arrière, tout ce que vous aurez fait, ça aurait été pour rien. On aura fait tout ça pour rien, oui, mais dans tous les cas, ce sera de la souffrance vraisemblablement pour rien, donc autant l'arrêter le plus vite possible, mais bon. Ou la freiner autant que faire se peut, puisque de toute façon, il vient d'être élu, il y a un état de grâce que, de toute façon, dont il profitera au moins 6 mois, quoi. Alors, en préalable de l'entretien avec Bertrand Badie, on va écouter, une déclaration. Je ne sais pas si c'est des officiels ou simplement les militaires. Sur France 24, Israël ira jusqu'au bout contre le Hamas, malgré les pressions. Écoutons. Dans l'un des postes de commandement dans le sud d'Israël. Oui, l'ours. Bon, je voulais dire un petit dédicace. Salut Sodom Gimlik. Qui jeudi dernier était vachement dégoûté d'avoir loupé le dernier couvre-feu. Et là, je le vois qui est là, donc je suis content pour lui. Salut Sodom. Eh bien, on le salue. Et après, il y aura le couvre-feu de toute façon. Vous avez simplement du bonus aujourd'hui. Vous avez 2 émissions dans la journée au lieu d'une. N'hésitez pas à faire des dons si ça vous plaît. Après, mercredi, Benjamin Netanyahou, une nouvelle fois, s'est dit résolu à poursuivre la guerre jusqu'à la victoire contre le Hamas. Nous continuerons jusqu'au bout, il n'y a aucun doute là-dessus. Et je dis cela à la lumière de la grande souffrance causée par les soldats tombés au combat, mais aussi face aux pressions internationales. Rien ne nous arrêtera. Nous irons jusqu'au bout. Rien. Aucune quantité de morts, de destruction ne nous arrêtera. Et on parlera justement avec Kali tout à l'heure de domicile d'ailleurs. Et avant de parler d'annexion de fait avec Bertrand Badie. La victoire, rien de moins. L'armée israélienne a connu mardi sa journée la plus meurtrière. Entre frappes aériennes intenses ces derniers jours et combats terrestres redoublés, Tsahal... Bon, à Gaza, c'est un peu tous les jours le record battu de la journée la plus meurtrière. Mais... indique que ses troupes continuent de progresser. Mercredi, le Hamas l'a une nouvelle fois accusé de renforcer le siège de l'hôpital Kamal Adwan au nord de l'enclave. De Gazaville au nord, jusqu'à Khan Younes et Rafah au sud, les... Khan Younes, donc le sud qui était censé être safe. Hein. Bon, maintenant on leur dit Rafah c'est safe. Bon, Rafah, on a vu qu'il y avait des frappes aussi. Donc là, on a quand même 2,5 millions de personnes, bon, moins celles qui sont mortes, hein, qui sont censées se masser dans 2 km². Je pense que oui, c'est un bon pari. Même scène de destruction et de désolation. La situation humanitaire continue de se dégrader d'heure en heure. Un nouveau poste de contrôle s'est ouvert au passage de Kerem Shalom à la frontière avec l'Égypte. Il devrait permettre l'entrée d'un plus grand nombre de convois, dont certains en provenance de Jordanie. Ah oui, parce qu'il y avait un seul poste de frontière, en fait, entre les deux pays. Ni pour la première fois depuis la mi-octobre. Délivré. Et avant, il y en avait plusieurs avec Gaza, même s'il ne restait plus que celui d'Erez. Raison d'aide de plus en plus urgente, alors que des centaines de milliers de Gazaouis déplacés manquent de nourriture, de médicaments et d'abris. Je ne sais pas comment je vais accoucher. Comment vais-je réconforter mon petit enfant? Même pour mes jeunes enfants ici avec moi, il n'y a absolument rien. Et pour les mères qui n'ont pas été séparées de force de leurs enfants, hein, quand ils ont évacué des hôpitaux et que il y avait des enfants prématurés et les parents qui voulaient pas partir, quoi. Si, vous dégagez. T'inquiète, les enfants. Et puis, on n'est pas très sûr de ce qui leur est arrivé, mais ils n'auraient pas trop tous survécu, quoi. L'ONU alerte sur les risques de famine et de propagation de maladies dans ces camps de déplacés surpeuplés. Selon l'organisation, 85% des plus de 2 millions de Gazaouis ont été déplacés. Alors, il y avait aussi un article qu'on n'aura pas le temps de lire, hein, aujourd'hui. Un article qui nous parlait de la Cisjordanie, plus spécifiquement, vous savez, l'autre territoire palestinien, hein, qui est espacé d'une 50aine de kilomètres et qui est
Alors, la bande de Gaza, en fait, elle est circonscrite une fois pour toutes, même si elle est très très petite et très très densément peuplée. Par contre, la Cisjordanie se fait grignoter petit à petit. Là, notamment la zone C. Et donc voilà, je vous invite à lire l'article qu'il y avait aussi, toujours dans les pages Monde de Libération, en pages 12 et 13, où le nombre de morts est forcément, oui, moins impressionnant, même s'il y en a. Et par contre, voilà, les gens qui ont dédié toute leur vie à cultiver des terres dont, auxquelles ils n'ont plus l'accès, sous la menace des armes, bien souvent. Merci à Eliarev pour son 18e mois d'abonnement. Daniel, à toi. 56, ils ont tué 75 civils palestiniens en public pendant la guerre du canal de Suez. Pendant ce temps, les médias parlent de méchants et de gentils. En fait, il n'y a pas de méchants et pas de gentils dans la géopolitique, mais il y a des gens en position de puissance et des gens en position de victime. Mais justement, par rapport à cette puissance militaire, le dogme de la puissance omnipotente, comme il le dit, et qu'il décrit comme désastreux et contre-productif, Bertrand Badi dans les colonnes du coup de Libération. Israël indique vouloir éradiquer le Hamas, mais l'objectif est-il simplement militaire, alors que des voix à l'ONU parlent de risque de nettoyage ethnique à Gaza? Ah, et t'as quand même l'impression que, globalement, voilà, si on reprend la carte, et d'ailleurs c'est ce qu'ils disent hein, aussi dans l'article d'avant, que la bande de Gaza, ils veulent tout évacuer en Égypte, et que la Cisjordanie, ça va partir en Jordanie. Sauf que les pays ne sont pas d'accord, mais c'est ce qu'ils leur disent hein, quand ils les chassent. Je crois que la suite de l'article, elle était ici. Je sais plus. Je sais plus, ils disaient, allez chez le roi, allez vous n'êtes pas sur vos terres ici, allez en Jordanie chez le roi Abdallah. Et donc, réponse par rapport au risque de nettoyage ethnique à Gaza. C'est la grande interrogation. Il est incontestable que l'opération menée par Israël avec une opération répressive qui vise également à démanteler une organisation adverse, à quoi s'ajoute une dimension punitive. Hein, Day One y parlait de vengeance, on se souvient, consistant à venger les 1200 victimes de l'attaque du 7 octobre. Mais beaucoup d'éléments font craindre que s'amorce, explicitement ou non, un travail de nettoyage ethnique, comme il a été dit. Quand on force une population à quitter son logement pour descendre vers le sud, bah déjà techniquement c'est une déportation, c'est moi qui le rajoute, où les bombardements continuent néanmoins, hein, on l'a vu, là, même des bombardements, même à Rafah, hein, soi-disant la ville la plus safe de toute la bande de Gaza, et qu'il n'y a plus d'autre débouché imaginable que de franchir à terme la frontière, on ne peut qu'être troublé. Cette impression se confirme. Hélas, quand ces réfugiés se voient interdire de retourner chez eux, sans autre forme de salut possible que de se confiner dans une petite zone d'à peine 8 km², je disais 2, pardon, où seraient censés s'entasser plus de 2 millions de personnes. Quand on voit qu'en Cisjordanie se poursuit un travail méthodique, hein, comme on le voit dans l'article de la page précédente, consistant à chasser les bédouins palestiniens pour y installer de nouvelles implantations, comprend. Alors même si les Bédouins trouvent un peu de solidarité avec les agriculteurs nécessairement eux nomades, nécessairement sédentaires, je veux dire des agriculteurs évidemment, mais et du coup voilà, ils cohabitent, eux ils ont leurs bêtes, ils ont mis des petits murets entre les deux pour que les bêtes n'aillent pas bouffer dans les champs quoi. Chasser les bédouins palestiniens pour y installer de nouvelles implantations, on comprend que le travail d'épuration dépasse le cadre strict de Gaza. Oui, parce que a priori, il n'y a pas le Hamas en Cisjordanie, mais bon. Et peut même concerner l'ensemble des territoires palestiniens occupés jusqu'à Jérusalem-Est. Un article aussi très très bizarre dans le Courrier International aujourd'hui, où voilà, en fait, à Jérusalem, il y a une piscine où les Israéliens, les Palestiniens continuent de s'entraîner ensemble. Mais voilà, en fait, en mode... quand on s'entraîne ensemble, de l'extérieur à la piscine, tu peux pas savoir si les gens c'est des Israéliens ou si c'est... Non, ils ont pas de signes distinctifs, ils ont tous le même bonnet de bain, ils sont dans la même équipe. Mais que, la tension monte un petit peu forcément depuis le 7 octobre, quoi. Et les représailles, bien sûr. Il est donc difficile pour les Palestiniens de ne pas penser qu'ils s'apprêtent à vivre une seconde Nakba. Bah déjà... Moitié, tu peux pas revenir chez toi. Évacuer au sud, c'est toujours plus au sud. Tu n'as pas le droit de revenir au nord et de toute façon, ta maison, elle est détruite et ta famille, elle est morte. Bon. Le terme de guerre est-il approprié pour qualifier ce conflit qui oppose une puissance à un adversaire non étatique? Oui, puisque, en fait, c'est pas Hamasland, ça n'existe pas. Il est vrai que nous sommes plus proches ici des nouvelles formes de conflictualité interétatique dans lesquelles les sociétés sont fortement impliquées. Après, ils ont gagné des élections là-bas, hein, le Hamas, donc quelque part. De ce point de vue, le conflit israélo-palestinien s'inscrit dans la droite ligne de la décolonisation et des transformations qu'elle a entraînées,
dans l'agencement des conflits. D'une part parce qu'elle dérive d'une volonté presque plus que septuagénaire, plus de 70 ans, d'émancipation d'un peuple cherchant à s'arracher à la domination et à l'humiliation. D'autre part, parce que l'ensemble des méthodes employées par certaines des organisations qui mènent cette lutte sont exposées à l'accusation de terrorisme, fondée et récurrente dans un tel contexte asymétrique. Et parce que de toute façon, c'est forcément, en fait, le terrorisme, c'est forcément une guerre asymétrique où il n'y a pas de déclaration de guerre d'un État avec un autre État. La communauté internationale n'a jamais su traiter ce type de conflictualité, dans lesquels les États ont tendance à n'utiliser que la force militaire, alors que celle-ci n'est plus opératoire. Bah oui, la force militaire, ça marche contre une armée d'un autre pays. Et oui, c'est la guerre en Ukraine, voilà, mais justement, je crois qu'il va en parler plus loin en disant « Oui, finalement, aujourd'hui, les morts, c'est plus dans ce genre de conflit-là que vraiment des vraies guerres d'État contre État, quoi. » Ils ont déjà bougé la zone safe momentanément, le ton de la bombarder. Ouais. Oui, bah alors Rafa, voilà, un pas en avant, un pas en arrière, un pas sur le côté, c'est quoi cette chorégraphie morbide, quoi. Là, c'est plus Israël contre absolument tout le monde sur place. Bah, contre absolument tout le monde en termes... Et ils ont quand même un soutien de poids, les États-Unis, rien que ça, quoi. Donc c'est pas contre tout le monde. Alors après, dans la zone, même ceux qui avaient normalisé leur relation avec Israël... ça crisse un petit peu des dents, quoi. Donc, les guerres de décolonisation, c'est là qu'on était resté, ont toutes montré l'impuissance de la puissance. Ça, j'ai trouvé que c'était... La formulation était rigolote. Tout comme les guerres d'intervention... Enfin, rigolote et tragique, hein, mais... Tout comme les guerres d'intervention qui ont suivi. On l'a bien vu à travers les auteurs les horreurs du 7 octobre, où chacun s'est réveillé douloureusement, en Israël, en découvrant qu'un État, même fortement armé, même avec le dôme de fer, n'est pas invincible. On peut faire un parallèle avec le 11 septembre 2001. La puissance atteint ses limites dès qu'elle doit faire face à des formes extrêmes d'énergie sociale qui confinent à la rage, aussi inacceptable soit-elle sur le plan éthique. Et merci Cassandra, Cassandra, pour son 5e mois d'abonnement. Daniaval à toi. Merci beaucoup Cassandra. Les USA, oui, ça commence aussi à grincer un peu des dents aussi côté américain, même si pour l'instant, ils continuent d'avoir leur veto dans toutes les résolutions qui sont censées être contraignantes en termes de droit international, même si on a vu les limites du droit international, surtout quand c'est Israël qui est concerné. Mais nous parlons d'un conflit que l'on semble redécouvrir aujourd'hui. Là, au fait, on est dans le... On est dans l'UMA, j'ai même pas dit que c'était page 14 de l'UMA, voilà, si vous souhaitez retrouver. Nous parlons d'un conflit que l'on semble redécouvrir aujourd'hui alors qu'il était toujours d'actualité. Il s'en dégage un peu partout une sorte de mauvaise conscience depuis l'agonie des accords d'Oslo. Oui, bon, en plus qui n'ont pas été trop respectés. Beaucoup pensaient que le dossier palestinien pouvait rester sous la table, voire sous le tapis, avec la certitude qu'il n'appartenait plus à l'agenda international. C'est vrai, d'abord, d'Israël, qui a considéré que le rapport de puissance lui permettait de pérenniser un statu quo qui n'en était pas vraiment un. Ah oui, c'est plus une cocotte minute. Puisque ses gouvernements successifs ont pu profiter pour grignoter les territoires occupés, là on parle plus de la Cisjordanie, et aboutir à une annexion de fait. Mais c'est le cas aussi de la quasi-totalité des gouvernements arabes qui semblaient se satisfaire de ce fameux statu quo et qui ne souhaitaient pas revenir à un affrontement coûteux avec Israël. Oui, on l'a vu par le passé, bah, l'Égypte, la Syrie, ça, ce que ça a donné, mais... Le Liban, etc. De leur côté, les États du Nord se réjouissaient, bah, parfois avec un début de conflit, et puis après ça s'inverse, quoi. Mais de leur côté, les États du Nord se réjouissaient de voir que ce conflit embarrassant venait à s'éteindre. En outre, le non-respect des résolutions adoptées par le Conseil de sécurité de l'ONU n'a jamais donné lieu à des sanctions à l'encontre d'Israël, ce qui n'a pu que conforter une telle posture. Pourtant, la résistance sociale du peuple palestinien n'a jamais cessé, malgré l'abandon de cette cause par les gouvernements. Nombre de sociétés à travers le globe n'ont jamais renoncé à leur solidarité. L'identification à la cause palestinienne est restée très forte. Elle a pris le relais des politiques d'État comme nouveau paramètre du jeu international. Ah, d'ailleurs, c'est aussi le prétexte qui est invoqué là par les Houthis au Yémen. Bon, on aura le temps ou pas d'en parler tout à l'heure. Qui arbore de temps en temps, en plus du drapeau régulier yéménite, le drapeau palestinien. Le fait de n'avoir jamais été vraiment freiné contribue-t-il aujourd'hui à ce qu'Israël se sente libre d'agir sans retenue ? Réponse : Israël fait un triple pari. Le premier est de penser que le rapport de puissance permettra, d'une manière ou d'une autre, de mettre un terme à ce conflit. Or,
On a déjà vu que la puissance ne réglait rien. Le second pari est celui d'un soutien inébranlable des États-Unis. Vous en parlez sur le chat. D'une part au Conseil de sécurité, d'autre part sur le terrain. Bah oui, ils ont quand même dépêché leur flotte là-bas. En contribuant de manière décisive à l'effort de guerre. Et puis oui, le soutien logistique, évidemment. Là aussi, le pari est dangereux parce qu'on voit bien que les opinions évoluent au sein de la société américaine et que les dirigeants eux-mêmes sont conscients des nouvelles limites de leur puissance. Enfin, le troisième pari est de croire, je ne sais pas si ça faisait référence au déclin de l'Empire américain, juste pour faire le ref au film. Enfin, le troisième pari est de croire que l'opinion publique israélienne acceptera toujours cette politique qui ne mène à rien. Certes, nous voyons qu'il y a pour le moment un consensus très fort à ce niveau, sous l'émotion légitime des horreurs du 7 octobre. Avec quand même la nuance, hein, c'est moi qui le rajoute, mais que les familles des otages voulaient forcer la main du gouvernement actuel israélien, Netanyahou et de ses alliés d'extrême droite, à négocier avec le Hamas. C'est ce qui a, donné un petit peu, bah, justement, la trêve humanitaire. Qui n'a pas duré, mais a été reconduite quelques jours et puis ça s'est arrêté. Mais il n'est pas sûr que ce consensus puisse résister à l'épreuve du temps. Surtout si cette guerre vient à se compliquer, voire à s'étendre dans un embrasement régional. Évidemment, tout le monde espère que ça n'arrivera pas. Ce triple pari me semble hasardeux et surtout terriblement belligène, qui appelle à la guerre. Car miser sur la force conduit inévitablement à semer les graines de nouvelles horreurs, peut-être encore pires que celles qu'on a pu connaître le 7 octobre. C'est ce que j'appelle l'escalade de l'inimaginable et c'est ce qu'il faut éviter à tout prix. Les événements du 7 octobre sont-ils déjà la conséquence de cette escalade de l'inimaginable ? Oui, parce que derrière le 7 octobre, il y avait une rage, hein, le mot a déjà été droppé, dont on ne sait pas si elle était contrôlée, commandée ou spontanée, mais qui était réelle. Et la rage est le résultat mécanique et cruel de l'accumulation de ressentiments, de désespoir et d'humiliation. Or, dans la banalité quotidienne des relations internationales, la rage devient l'équivalent de ce que sont les armes de destruction massive dans le jeu stratégique classique. Ah oui, c'est clair que le nombre de victimes, c'est moins massif que des armes de destruction massive. Mais par contre, t'as jamais l'assurance d'avoir une situation qui est pérenne. C'est, tu te dis toujours, à n'importe quel moment, ça peut péter. Puisque bah, ils n'ont rien à perdre et déjà tout perdu. Biden qui dit qu'Israël ne veut pas d'État palestinien en continuant à donner des armes. En continuant à donner des armes à qui ? À Israël ? Oui, alors après, est-ce qu'ils sont toujours dans une optique de solution à deux États ? Parce que là, Israël, bon, l'actuel gouvernement, avec Smotrich notamment, qui veut que ça aille jusqu'aux rives du Jourdain, voire des fois, à la base, le Likoud, la formation du Likoud, c'était de dire... Enfin, ça s'était formé suite à, en fait... au déclin d'autres partis, où en fait ça avait pris la suite d'autres partis qui voulaient même avoir limite jusqu'à l'Arabie Saoudite, hein. Genre la Jordanie c'est à nous, puis même le Liban d'ailleurs, pendant qu'on y est, le Liban c'est à nous, plateau du Golan, bon ça c'est déjà acté, donc en fait limite ça, tu sais, tu pourrais te dire une solution à un seul état, bon voilà, c'est triste pour les gens, mais de toute façon voilà, il y a plus de bande de Gaza, c'est plus habitable, c'est peut-être justement l'objectif, hein, c'est que de toute façon il y a plus rien à retrouver, autant quitter cette terre, quoi. Donc voilà, nettoyage ethnique. Et après, la Cisjordanie, on s'en occupe. Et puis après, est-ce que ça s'arrête là ? On ne sait pas. Tout le monde est d'accord pour considérer qu'il n'y a qu'une solution politique qui puisse permettre de dépasser cette situation. Mais on voit mal quel est le chemin à suivre. Vous avez 30 secondes pour résoudre le conflit israélo-palestinien. Nous en sommes loin. Tant qu'Israël est convaincu que seule la puissance peut régler les problèmes, on ne pourra même pas ébaucher une méthode d'accès à la paix. Un vrai cap sera franchi le jour où ses dirigeants abandonneront ce dogme de la puissance omnipotente, une puissance qui peut tout, qui est non seulement désastreux mais aussi contre-productif. Et pour les Israéliens eux-mêmes, hein. À moyen et long terme, évidemment, à court terme, tu te dis, bon bah voilà, ça, voilà, une fois que on a tué tout le monde, les gens ils sont calmés. Ah, ils vont penser leur plaie, et les gens qui survivent, ou les alliés des gens qui ont survécu, bah, ça crée du ressentiment à long terme, et ce ressentiment se traduit des fois de façon violente, voire létale, voire tragique, massivement létale. Encore faudra-t-il réparer les dégâts de la disparition, de fait, de toute reconnaissance, de toute représentation palestinienne crédible. Bah oui, vu que le Hamas, l'objectif, c'est que ça doit disparaître et que la branche armée, ils sont un peu trop vénères, que l'autorité palestinienne côté cisjordanien, elle est complètement décriée, donc c'est compliqué. Salut, Modem.
Demain, l'humanité qualifiée d'encouragement au terrorisme par Routel Kreyev, est-ce que ça doit déjà être le cas, et tout le monde est... Surtout que, sur le dos israélien, l'UMA, ils ont fait quand même un bon taf, tu vois. Après, ce serait dur quand même de les traiter, je sais pas, comme ils essaient de faire avec Mélenchon, d'antisémites, ou... mais bon, peut-être, hein, qui sait. Les États-Unis restent-ils la seule puissance capable de faire infléchir Israël? Pour ne pas dire les faire réfléchir. Oui, car l'aide américaine est la seule qui soit absolument indispensable à l'État israélien. Si un jour les dirigeants des États-Unis venaient à l'interrompre, le gouvernement israélien, quel qu'il soit, devra changer d'attitude. De ce fait, l'administration américaine tient un rôle de responsabilité qui n'est partagé par aucun autre État au monde. Néanmoins, les choses sont un peu plus compliquées qu'hier. Les États-Unis sont en effet de plus en plus isolés sur ce dossier, souvent un veto, zéro abstention. De temps en temps, voilà, une abstention. Oui, vous voulez qu'on vous redonne de l'argent, les Ukrainiens? Bon, abstenez-vous, au moins. On l'a vu, c'est pour ça qu'il s'est abstenu sur une des résolutions. Que ce soit dans le monde arabe, donc isolé les États-Unis, que ce soit dans le monde arabe ou à l'ONU, leur capacité diplomatique est moindre et leur opinion publique évolue. Même si on ne précise pas dans quel sens. On imagine un petit peu... que oui, de toute façon, en plus, dans un truc, déjà dans un dos comme le dos ukrainien, il n'y a que 42% des Américains qui sont... il y a 42% des Américains qui sont contre le renouvellement de l'aide, et environ 65% des Républicains, je ne sais plus exactement. Alors, j'ai pas vu de chiffres par rapport à Israël. Il faudrait checker ça, j'imagine. Que quelqu'un peut organiser un coup d'état communiste aux États-Unis, ça faciliterait beaucoup de choses. Qui se dévoue? Faites un pas en avant. L'ours, est-ce que tu te dévoues? Je suis pas américain, donc ça ne pourra pas le faire. Ouais, mais tu peux te faire passer pour un américain un peu si on te donne des papiers. Je demande une extraction pour l'ours. Il faut l'extraire tout de suite, il va se faire repérer. Je parle pas assez bien canard, j'ai tendance à articuler. Donc, ça va pas le faire. Cet anti-américanisme primaire. Oh oui. Terrible. Et puisque du coup on parle de l'Ukraine, eh bien il y a Justine Brabant qui, pour Mediapart, a passé une nuit avec les soldats ukrainiens qui surveillent les nuits de Kiev, notamment avec Stinger, comme il est surnommé, du nom des missiles qu'ils utilisent. Où ils se disent, c'est surtout le vrai game, c'est un petit peu les drones. Les drones qu'ils essayent de contrer, qui sont souvent la nuit. Et alors après, le problème, c'est de pouvoir les repérer, d'autant que la capitale continue d'être... de faire l'objet de tirs. Alors, ils avaient l'air de dire, les soldats qu'on voit, que... quand même, être à Kiev, c'est un petit peu reposant. Quand on va repartir au front dans 2 mois, on n'a pas spécialement hâte. Ça redoute aussi que la Russie reprenne des attaques sur les infrastructures énergétiques, les centrales électriques, histoire qu'ils passent un hiver bien dans le froid pour miner leur morale. Et ils ont passé toute une nuit avec eux, avec elles et eux. On voit ici aussi une soldate de la brigade de défense territoriale qui est basée dans la banlieue à l'est de Kiev, vu que c'est de là qu'ils s'attendent que les missiles viennent, évidemment. On sait que les Polonais, ils sont un peu énervés contre les Ukrainiens en ce moment, mais pas de là. Alors, envoyer des missiles, a priori, ils sont dans une ancienne école, donc avec tout le bric-à-brac qui a été laissé. Biden qui avertit que Poutine compte sur un arrêt de l'aide américaine à l'Ukraine, justement, ils en reparleront dans un autre article sur l'adhésion de l'Ukraine à l'Union Européenne. Donc ils se disent que globalement pour l'instant ça se passe relativement bien la nuit, mais on verra que plus tard ils auront une alerte. Alors il y a un petit peu du bricolage, ils essayent d'avoir des pointeurs laser pour être un petit peu plus efficaces, parce que sinon ils ont que des mitraillettes pour viser dans la nuit des drones qui sont pas repérés par les radars. En fait, c'est plus qu'ils émettent un bruit caractéristique et c'est ça qui généralement les alerte. On voit qu'ils ont du matos là, un gaz 66 soviétique des années 60. Mais ils disent, nous les soldats ukrainiens, matos ancien, matos moderne, on fait avec tout, on commence à s'habituer. Et des gens qui viennent un petit peu partout, le sergent Sergei Stinger, lui, il vendait des équipements pour les salons de beauté et ça marchait bien.
avec des gros clients hollandais, visiblement. Mais bon, voilà, les massacres de Boutcha et les autres qui les ont changés pour toujours. Et puis, depuis, voilà. Et en fait, ils ne demandent même pas à être remplacés. Ils sont en mode, oui, bah moi, j'ai ma sœur, elle va bientôt accoucher. Je préfère être là, moi, que plutôt que son mari et qu'elle se retrouve toute seule à accoucher avec son enfant. Donc, mieux vaut que ce soit moi qui soit au front plutôt qu'elle. Je vous invite à lire l'intégralité, si vous voulez. De cet article. Voilà, voilà, c'est là l'exemple qui prend de je préfère y être moi plutôt que ma sœur. Et à 6h du matin, alors que ça y est, ils se disent bon, bah le soleil se lève, les civils se réveillent, on va pouvoir aller se coucher. Et ben non, finalement, il y a des missiles qui ont été tirés depuis la Russie. Et là, ils repartent à leur poste. Et finalement, c'est passé plus au sud. C'est pas eux qui étaient visés, donc fausse alerte. Mais voilà, du coup, une nuit passée par une journaliste de Mediapart avec la résistance ukrainienne. Si vous souhaitez lire le détail, je vous l'ai résumé parce qu'on n'a pas trop le temps, évidemment. C'est un reportage qui a été fait dans la nuit du 7 au 8 décembre de ce mois-ci, donc évidemment. L'ours, tu avais... un petit mot par rapport à l'Ukraine. Non, bah non, ta chloroquine. Attention, il y a un truc. Mais sinon, c'est une de conviction. La chloroquine, ça peut fonctionner. En bonus, je vous mets 7 jours sur Terre, un des derniers 7 jours sur Terre. On a déjà fait du react de cette chaîne. En Ukraine, ça sent la fin. Donc voilà, moi j'en ai regardé une bonne moitié, mais ça me semblait être assez à propos. Qui c'est qui m'a coupé la lumière? Bah c'est Sodom Gimilic, évidemment. Sodom Gimilic qui veut qu'on fasse l'émission dans le noir. C'est terrible, ça. Faudrait vraiment retirer l'alerte chloroquine, ça date trop maintenant. Oui, mais vas-y, qui c'est qui va me refaire des alertes et qui va me refaire les trigger fire et refaire des montages de vidéos de 2 secondes pour les... Moi, je veux bien, tu vois. Viens prendre ta chloroquine. Attention, il y a un truc... Voilà, et voilà, tu chauffes Sodom Gimilic. Et... Mais il a cette force de conviction. Un nombre inépuisable de points de chaîne, donc vous pouvez rien faire. Et donc l'adhésion à l'Union européenne qui est bloquée pour le moment par Viktor Orban. Je sais pas si on aura le temps de lire l'article tout ou partie avant le début du couvre-feu, mais on va essayer de faire le maximum. Et déjà, on a une capsule de France 24. Toujours actuellement réunis à Bruxelles, l'ultime conseil européen avant la pause de fin d'année. Rendez-vous prévu sur 12 jours et il est question plus que jamais d'Ukraine. La question de l'adhésion à l'Union européenne est d'abord au centre des discussions. Un bras de fer est engagé avec Viktor Orban. Vous le savez, on va retrouver tout de suite sur place notre correspondante Alix Le Bourdon. Bonjour Alix. Que donnent justement les discussions avec Viktor Orban? En gros, soutien financier, pas soutien militaire. Et ils pensent que non, ils sont trop corrompus, les Ukrainiens, pour rentrer dans l'Union Européenne. Sachant que... Attention, vous êtes horrible. Cette force de conviction. Sachant que Viktor Orban fait lui-même l'objet de suspicion, si ce n'est encore de poursuite, par rapport à la corruption, lui et des membres de son gouvernement, à ce que j'ai compris. Eh bien, écoutez, la session plénière est en cours depuis 11h environ, mais avant cela, il y a eu une réunion avec Emmanuel Macron, Olaf Scholz, des dirigeants des institutions et le Premier ministre hongrois, Viktor. Alors, Olaf Scholz, c'est un petit peu la merde là pour l'économie allemande, dont on avait parlé dans un couvre-feu il y a 2 semaines, mais qui a déclaré que même si pour le reste, ça allait être chaud. Attention, il y a un truc. Épuisez vos points de chaîne, allez-y. Cette force de conviction. Et je sais plus ce que je disais. Si qu'ils vont quand même maintenir inchangé leur aide à l'Ukraine malgré que ce soit la merde budgétaire pour eux. Orban, il y a également eu des mots forts de certains dirigeants à leur arrivée ce matin dans ce bâtiment du Conseil européen. Le Premier ministre portugais a estimé que l'Union européenne ne pouvait pas renier la promesse faite à l'Ukraine. Ces chefs d'État vont chercher à convaincre le Premier ministre hongrois Viktor Orban de ne pas bloquer la décision d'ouvrir les négociations d'adhésion à l'Ukraine. Mais Viktor Orban a estimé qu'il s'agirait... Il y a eu notamment une rencontre, et ça c'était étonnant même si c'était déjà annoncé, une rencontre entre Orban et Zelensky... pour l'investiture de Javier Milei. Je vous ai dit, tous les sujets sont toujours connectés. C'est quand même super bien fait, l'MCP, vous trouvez pas? D'une terrible erreur, et il a rappelé ce matin que selon lui, le pays n'avait rempli que 3 des 7 préconditions pour arriver à ces négociations d'adhésion. La Commission européenne, quant à elle, avait estimé que 90% du travail avait été fait en ce qui concerne l'Ukraine. Alors on sait aussi que certains pays, malgré un discours positif sur l'ouverture de ces négociations d'adhésion, émettent des doutes quant à la capacité de l'Union européenne d'accueillir un pays comme l'Ukraine. Mais il faut rappeler que ces négociations d'adhésion,
dans l'histoire de l'Union européenne ont pu prendre du temps. Ça a certes pris uniquement 2 ans pour un pays comme la Suède, mais plus de 15 ans pour la Croatie. Et c'est ça le problème, c'est que du coup, ils disent oui, bah, l'Albanie, la Turquie, enfin des pays qui sont candidats, enfin qui n'ont pas encore accès officiellement au statut de candidat d'ailleurs, je crois, à l'intégration de l'Union européenne depuis beaucoup plus longtemps que l'Ukraine. Ils disent ah bah pourquoi eux ils nous passent devant, tu vois, c'est. Quand vous faites la queue au supermarché, quelqu'un y parle. Oui, mais j'ai que 2 articles. Oui, bah peut-être c'est la guerre chez vous, mais quand même. Si, en tout cas, il s'agit d'une décision qui va se prendre bizarre, ma comparaison. À l'unanimité, ouais. Ce qui donne évidemment beaucoup de pouvoir à Viktor Orban, dont on connaît la proximité avec Vladimir Poutine. Et la question de la poursuite de l'aide. Alors lui, sans, voilà, il dit mais non, c'est pas à cause de ça, non, justement. On verra dans l'article. L'Ukraine militaire, notamment, fait partie évidemment des sujets posés sur la table, sujet que Viktor Orban menace là aussi bloqué. J'ai tendance à bloquer, c'est pour lui. C'est crucial pour l'Ukraine qui est sur la table des 27 aujourd'hui et que le Premier ministre hongrois menace de bloquer. Mais hier, la Commission européenne a annoncé qu'elle allait débloquer une partie des fonds pour la Hongrie qui était gelée depuis un an pour violation de l'état de droit. Alors la Commission européenne hier et à nouveau les chefs d'État ce matin ont assuré qu'il s'agissait d'une coïncidence, que cette annonce arrive juste avant le sommet européen. Quoi qu'il en soit, la question qu'on se... Il semblerait que oui, que c'était déjà prévu le déblocage des fonds, parce qu'il y en a beaucoup qu'on se dit oui, ah, en fait l'Union européenne est en train de céder à Orban. Ah, vous avez énervé Sardoche du coup. Pause au début de ce sommet, c'est de savoir quelle influence pourrait avoir cette annonce sur. Vous avez vraiment plein de points de chaîne. Viktor Orban et sur sa menace de veto sur cette aide à l'Ukraine. Le Premier ministre hongrois a aussi assuré que les deux sujets n'étaient pas liés. En tout cas, cette annonce a déclenché la colère au Parlement européen. L'eurodéputé Daniel Freund a expliqué, a estimé qu'il s'agissait du plus gros pot de vin de l'histoire de l'Union européenne. Bon, je ne sais pas s'il faut le résumer comme ça, hein, mais. En tout cas, la formulation est choc. Et du coup, on aime bien. On a un article de Libération, page 6 et 7, qui nous parle de ce dos. Orban joue le trouble fait de l'Union européenne. Ici, donc un article de Jean Quatremer, sur 2 pages. Voilà, ça c'est l'article que j'aimerais bien, si on a le temps aussi, sur le Yémen, qui était intéressant, page 8 et 9. Pour une fois, une rubrique monde, qui est assez fournie, hein. D'habitude, il faut se contenter d'un seul sujet, parfois sur 1 ou 2 pages. Là, on a quand même 4 pages monde. Aujourd'hui, de quoi nous plaignons-nous? Pourquoi les lumières, elles ont changé? Ok, Google, allume les lumières en bleu. Je le dis, les gens, n'hésitez pas à dépenser des points de chaîne, balancer des annonces. Non, pas les annonces. Allez vite, gardez-les pour une émission, on a annonces, plus le temps. Allez-y. Non, mais l'ours, en fait, juste, on n'a pas le temps. En fait, on a 5 minutes pour finir 3 sujets. Donc, si on doit s'arrêter toutes les 10 secondes parce qu'il y a une vidéo, les encourage pas. Gardez-les pour les prochaines. Allez vite, foutez la merde avec les lumières si vous voulez. Et donc on a un article aussi de Luma, toujours en page 16, qui est plus concis, mais qui je trouve était plus percutant que le précédent. Donc on va, ça tombe bien, on va s'en contenter. Ah, il nous parle aussi de l'Argentine, mais enfin bref, on n'aura pas le temps de tout lire. Adhésion de l'Ukraine, l'Europe, un tournant de son histoire. Voilà, avec ici Orban et sa cravate rose. La scène se déroule à plus de 11 000 km de Bruxelles, sous les ors de la République argentine. Ce 10 décembre, en marge de l'investiture du nouveau président d'extrême droite, Javier Milei, à Buenos Aires, le président ukrainien Volodymyr Zelensky et le premier ministre hongrois Viktor Orban entretiennent une conversation animée. Et pour cause, à une semaine du Conseil européen des 14 et 15 décembre, donc ça commence aujourd'hui, l'avenir de l'Ukraine semble suspendu à Budapest et à son éventuel veto sur l'ouverture de la négociation d'adhésion à l'Union européenne. Le soutien de 50 milliards d'euros sur 4 ans et l'aide militaire de 20 milliards d'euros. Autant de points qui requièrent l'unanimité. Oui, ils vont dire que c'est un petit peu le défaut de l'Union. Alors il y a des fois des choses qui se décident pas forcément à l'unanimité, mais avec une majorité qualifiée, il me semble, mais bon. Le chef du gouvernement hongrois plaide. Tiens, l'ours, si tu veux te rendre utile, est-ce que tu peux envoyer un petit MP à Cali pour lui dire que bon, on attend simplement qu'il lance pour le rejoindre chez lui. Merci d'avance. Okay. Le chef du gouvernement hongrois plaide pour une élévation du niveau de coopération. Ah, on se dit pas tout de suite, non, on ne bloque pas, on veut une élévation du niveau de coopération. Ses partenaires, dont bon nombre, ont tenu Kiev à distance, tout en concédant une zone de libre-échange régionale.
Faute de convaincre sur le plan politique, l'Europe monnaie le soutien de la Hongrie. Quelques heures après son dîner à l'Elysée, la semaine passée, Viktor Orban voit approuver le versement à son pays de 920 millions d'euros sur les 10,4 milliards prévus dans le cadre d'une révision du plan de relance post-Covid, soit 5% du PIB hongrois en 2022. 920 millions, ça fait 5%. D'accord, et sûr quand même, ouais, ils ont quand même un dixième de ce qui est prévu pour toute l'Union. Le groupe Renew, libéraux, au Parlement européen, demande à cet égard le gel des fonds et la suspension des droits de vote au Conseil européen par invocation de l'article 7, qui vise à faire respecter les valeurs communautaires dans l'État de droit. Ah, les célèbres valeurs européennes, c'est pas les valeurs républicaines, mais dont on se torche quand ça nous arrange, hein, évidemment. L'Ukraine se bat pour son existence même et l'Union européenne doit tenir ses promesses de la soutenir politiquement, financièrement et militairement, si ça doit être fait par 26 États membres, qu'il en soit ainsi, prêche le président de Renew, Stéphane Séjourné. Mais sauf que, est-ce que c'est pas une sorte d'exclusion partielle du pays si, normalement, faut l'unanimité, mais viens, on s'en bat les couilles de lui. Alors après, la suspension du droit de vote, est-ce que ça pourrait passer, quoi, mais... Et dans ce cas-là... Quelle serait la réaction de la Hongrie, mais sachant que la Hongrie veut quand même les fonds structurels, donc... Cela suffira-t-il à renverser la balance et afficher une franche unité lors du Conseil européen, alors même que l'Allemagne, prise dans son bourbier budgétaire, on en parlait tout à l'heure, renforce son orthodoxie? Humour de droite, un peu ça, quand même. Non, je sais pas si c'est l'humour de droite, mais c'est l'ordo-libéralisme. S'agissant de l'Ukraine, le chancelier Olaf Scholz assure qu'il ne regardera pas à la dépense, d'autant que les élargissements à l'Est ont toujours profité à l'économie allemande. Ouais, parce que, du coup, ils ont des fois délocalisé une partie de leur production là-bas. Un échec collectif ne manquerait pas d'interroger une nouvelle fois le projet européen qui ne semble se concevoir que par élargissement. Hein, souvenez-vous, à des époques où ils disaient « oui, il faudrait peut-être l'approfondissement avant l'élargissement ». Sauf que, j'allais dire justement, est-ce qu'en période de guerre, c'est le meilleur moment ou le pire moment pour le faire? Les gens ne sont pas d'accord. Nous avons fait nos devoirs. Et nous attendons de l'UE qu'elle joue son rôle, insiste le ministre des Affaires étrangères ukrainien, Dmytro Kuleba. Bah oui, c'est en gros, nous, on a satisfait à vos exigences. Bon, on verra que tout le monde n'est pas d'accord là-dessus, qu'ils n'ont pas satisfait à toutes les exigences. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, assure de son côté que l'Ukraine a rempli 90% des critères d'adhésion malgré la guerre. Corruption endémique, absence de pluralisme politique, autant de standards qui semblent loin d'être atteints. Il a dit oui, les élections, on verra plus tard. Et on avait vu qu'il y avait un scandale de corruption au sein même du ministère de la Défense, alors que c'est la guerre. Où ils payaient leurs œufs beaucoup trop cher, et pas que les œufs, un peu toutes les denrées alimentaires. Bref. La porte est ouverte, celle, certes, mais elle se trouve au 7e étage. Et pour l'instant, l'Ukraine est au rez-de-chaussée. Ah, donc c'est pas 90% des critères. Observait le député écologiste allemand, Rainer Steinbock. En 2008. Oui, alors si c'était en 2008, du coup, peut-être que là, ils sont au 4e ou 5e étage, on sait pas. Le jusqu'au boutisme de l'Union européenne a de quoi faire grincer des dents les candidats qui patientent depuis de nombreuses années, comme la Turquie ou l'Albanie. Si les chefs d'État et de gouvernement venaient à s'entendre, d'aucuns doutent de la gouvernabilité d'une Europe élargie. La répartition des sièges de députés, des portefeuilles de commissaires, des fonds de cohésion ou des subventions de la politique agricole commune, la fameuse PAC, dans un espace en recomposition, promet, entre Brexit et l'intro de l'Ukraine, quoi. Je sais pas comment faire un mot valise. Promet des débats sans fin. À mesure qu'elle s'élargit vers l'Est, l'Europe semble se dissoudre et oublier qu'aux yeux de la Russie, cette extension a des faux airs de colonisation et de casus belli. Donc ça pourrait déclencher, ils pourraient se dire, du coup, l'Union Européenne, vous êtes trop des alliés des Américains, donc on considère que vous êtes des ennemis, et donc vous mettez à nos frontières, et donc on considère que, voilà. Déjà que c'est un petit peu ça, l'objectif officieux de l'opération militaire spéciale. Bon là, il a fait une allocution aujourd'hui, Poutine, pour dire que, l'Ukraine n'était pas encore dénazifiée, tout ça. Vous connaissez un petit peu les bails.
Je jette un coup d'œil, mais pour l'instant, Kali n'a pas encore lancé. Et donc, on a l'article qui parle du Yémen, puisque souvenez-vous, on était parti de ça, notamment c'était un pétrolier qui avait été visé par les Houthis au Yémen. Et là, c'est le Galaxy Leader que vous voyez ici, alors qu'il est un peu devenu, ils ont réussi à l'arraisonner. Il y avait 25 personnes d'équipage qui sont retenues en otage du coup depuis. Et alors en fait, oui, c'est une histoire bizarre parce que genre le truc était affrété par le Panama, pour une société japonaise, mais appartenait à un homme d'affaires israélien. Donc en fait, tout ce qui a un rapport de près ou de loin avec Israël, ils ont dit que c'était une cible légitime pour le moment. Justement par rapport au conflit actuellement qui a lieu à Gaza. Pour les Houthis antisémites et anti-américains, il s'agit d'une opération fondée sur la responsabilité. Donc on rappelle, c'est un peu compliqué au Yémen, du coup, c'est que eux, ils ont... Alors c'est dommage, on n'a pas la carte en gros. À la base, ils étaient dans les régions du nord, mais ils ont réussi à prendre même jusqu'à la capitale. Alors est-ce qu'on n'aurait pas quelque part une carte du Yémen? Même si on va pas avoir le temps de faire toute la géographie non plus. Est-ce qu'on peut zoomer? Voilà. Donc la capitale, Sanaa, qui est connue pour ses grattes. Le Yémen, il y a des trucs au niveau architecture, c'est incroyable. Genre, ils avaient des gratte-ciel au 16e siècle. Mais vraiment des gratte-ciel, des trucs qui font, je sais pas, v'là les dizaines de mètres de haut, quoi. Et bref, à la base, ils étaient plutôt dans les régions du nord. Ils sont partis de Saada jusqu'à Sanaa, la capitale. Et le gouvernement légitime qui est soutenu par l'Arabie Saoudite, et du coup, il y a un conflit entre les Houthis et l'Arabie Saoudite, où ils se tirent dessus aussi, je crois qu'ils sont retranchés dans le sud du pays et autour de Aden, globalement. Voilà pour les petits rappels. Donc, c'est un petit peu le bordel. Il faudra définitivement qu'on parle d'Oman un jour. À chaque fois on dit ça, c'est le running gag de cette émission. Donc il s'agit d'une opération, là par exemple, la capture de ce bateau. Alors c'était quoi lui? C'était un cargo, tout simplement. Il s'agit d'une opération fondée sur la responsabilité religieuse, humanitaire et morale envers le peuple palestinien opprimé, soumis à un siège injuste et à la poursuite des massacres horribles et odieux perpétrés par l'ennemi israélien. Le Galaxy Leader, opéré par une société japonaise sous pavillon des Bahamas, du Panama, rien à voir, des Bahamas, appartient à une entreprise britannique, ça se complexifie encore, contrôlée par l'homme d'affaires israélien Abraham Rami Ungar. Ça y est, on a enfin un rapport. Nous avons les yeux ouverts pour surveiller et repérer en permanence tout navire israélien, avait prévenu le chef des Houthis, Abdelmalek Al-Houthi, le 14 novembre dans un discours sur leur chaîne Al-Masira. Le raisonnement du Galaxy Leader n'est pas une opération isolée. Depuis la mi-octobre, les Houthis ont fait de la mer Rouge, qu'on voit ici sur l'infographie, un nouveau front, lançant missiles de croisière vers Israël à plus de 1500 km. Alors justement, l'Arabie Saoudite en a intercepté certains. Et drones armés contre des navires commerciaux et militaires. Ce lundi, ils ont visé et touché avec un missile à longue portée un pétrolier. C'est celui on en avait parlé qui battait pavillon norvégien et calait en Italie, il me semble. Tous les navires liés à Israël ou qui transporteront des marchandises vers Israël sont des cibles légitimes tant que l'aide humanitaire à destination de Gaza ne sera pas accrue. Alors je ne sais pas s'ils ont donné des seuils du nombre de camions au-delà duquel ça y est, c'est assez accru, on va arrêter d'envoyer des missiles, je ne sais pas. Guerre au Yémen extrêmement sale, oui, surtout qu'il y a eu une première guerre, et je crois jusqu'à 2014, et que début 2014, c'est une guerre civile mais qui ne s'est jamais arrêtée. Si je résume pas trop de façon brouillonne. Donc ça, c'est ce qu'ils ont annoncé le 9 décembre dans un communiqué. Le lendemain, la frégate française Languedoc, je ne sais pas si vous la connaissiez, moi non, a dû tirer des missiles anti-aériens contre deux drones qui se dirigeaient droit sur elle, alors qu'elle naviguait à 110 km au large du port d'Al-Odeida. 4 jours auparavant, c'était une salve de missiles qui était tirée vers Israël. Un missile sol-sol en direction du territoire israélien a été identifié et intercepté dans la zone de la mer Rouge, avait reconnu l'armée israélienne, qui dénonce un siège naval dans la zone. Les Houthis, venus des montagnes reculées du nord du Yémen, en guerre depuis 2015 contre le gouvernement. Alors oui, 2015, mais auparavant, c'était pas eux aussi, je sais plus. Contre le gouvernement soutenu par l'Arabie Saoudite, se sont imposés comme un acteur majeur de l'axe de la résistance. Cette myriade de groupes armés parrainés par l'Iran, Hamas palestinien, Hezbollah libanais ou milices chiites en Irak et en Syrie. Les Houthis incarnent aujourd'hui une position
maximalistes et ils sont les seuls dans la région à avoir développé leur capacité de nuisance. Explique Laurent Bonnefoy, chercheur au CNRS. Ils se positionnent comme les uniques défenseurs de la Palestine face à des États arabes qui apparaissent comme attentistes. Hein, ils attendent de voir comment ça va se passer. Cela permet aussi de se légitimer en interne aux yeux de la population yéménite. Les Houthis connaissent la guerre. Ils la pratiquent depuis le début des années 2000 lorsque Hussein Badreddin al-Houthi, parlementaire et chef religieux zaïdiste, une branche du chiisme dans un pays aux deux tiers sunnites, conteste le pouvoir du président. Ali Abdallah Saleh au pouvoir depuis 1978. Il s'oppose à sa collaboration avec les États-Unis qui ont lancé la guerre contre le terrorisme après les attaques du 11 septembre. Le slogan « Mort à Israël, mort à l'Amérique, malédiction aux Juifs, victoire pour l'Islam » alors d'ailleurs, l'origine du slogan n'est pas tout à fait certaine, est un décalque de celui de la révolution iranienne de 1979. L'antisionisme et l'antisémitisme sont une forme de dénominateur commun qui leur permettent de transcender la fragmentation confessionnelle entre sunnites et chiites, note toujours Laurent Bonnefoy. Hussein Badreddin al-Houthi sera tué lors de la guerre dite de 2004 menée par le pouvoir contre le fief Houthi de Saada. Oui, l'ours qu'elle y a lancé, c'est ça que tu nous disais. Deux secondes, il vient d'envoyer un message, il est connecté sur son Discord là. Je ne le vois pas avoir lancé sur Twitch, mais il est... D'accord, bah pour l'instant je finis juste cet article et on ira chez lui ensuite. Mais le mouvement désormais dirigé, et on ira le raid tout simplement, désormais dirigé par son frère, Abdelmalek, perdure et se relance à la faveur du printemps yéménite de 2011. Les manifestations aboutissent au départ de Saleh, blessé dans son palais présidentiel lors de l'explosion d'une bombe. Les Houthis qui ont affermi leur contrôle sur le nord du pays se lancent à l'assaut de la capitale Sanaa, donc on avait vu dans une position plus centrale. Ils s'en emparent en septembre 2014 et poursuivent leur offensive vers le sud, jusqu'à Aden, où le nouveau président Abdrabo Mansour Hadi s'était réfugié avant de fuir en Arabie Saoudite, du coup qui sont les alliés du gouvernement considérés comme légitimes. Le 25 mars 2015, Riyad, capitale d'Arabie Saoudite, et les autres pays arabes du Golfe lancent l'opération Tempête décisive contre les rebelles. Décidément, souvent des opérations qui s'appellent Tempête dans le coin. Les bombardements aériens deviennent massifs. Le pays déjà le plus pauvre du Moyen-Orient sombre dans une crise humanitaire catastrophique. Les Houthis finissent par reculer, mais sans perdre le contrôle de la capitale. Le Yémen est désormais coupé en deux, avec deux gouvernements, l'un loyaliste, l'autre rebelle, et un mouvement sécessionniste. Les Houthis n'auraient pas pu tenir sans l'aide de l'Iran. Est-ce que c'est un petit peu... est-ce que c'est un peu les États-Unis pour les Houthis, comme les États-Unis sont pour Israël, je sais pas. Ou pour l'Ukraine. Les liens sont anciens, au début des années 90. Alors, il y a eu des frictions aussi auparavant, hein, mais... Au début des années 90, Hussein Badreddin al-Houthi avait deux influences politiques principales. L'ayatollah iranien Ruhollah Khomeini et le fondateur d'Al-Qaïda, Oussama Ben Laden. Selon une étude fouillée du Combating Terrorism Center, qui dépend de l'académie militaire américaine de West Point. Les deux hommes avaient en commun d'avoir Israël et les États-Unis comme ennemis désignés. Hein. Quand on a les mêmes ennemis, parfois, on devient un peu plus amis. L'influence ne se limite pas aux L'influence ne se limite pas aux discours et aux slogans. Des gardiens de la révolution et des envoyés du Hezbollah libanais font office de mentors. Longtemps mystérieux, l'organe de décision des Houthis. Le conseil du djihad est similaire à celui du Hezbollah, avec une centralisation des activités de renseignement et de contre-espionnage. Le conseil du djihad a émergé comme un partenaire remarquable de l'Iran, et la relation entre les deux ne devrait plus être considérée comme étant une relation de nécessité, mais plutôt comme une alliance forte et profonde, soutenue par une affinité idéologique étroite et un alignement géopolitique, indique le Combating Terrorism Center, qui assimile les Houthis à un Hezbollah du Sud. Cette proximité se traduit aussi par des livraisons d'armes et des transferts de technologies. Ah, sachant que, en termes de drones, on voit par exemple l'armée russe actuellement, c'est des drones iraniens, les drones Shahed qu'ils utilisent. En vrai, c'est des résistants GG à eux. Lesquels? Les Houthis? Ils ont l'air de faire du sale, alors après... quand tu vois qu'ils arrivent avec... Pas tant de bouts de ficelle que ça, mais tu te dis, ouais, GG quand même d'arriver à arrêter le bateau comme ça, le gros cargo, alors qu'a priori, au Yémen, c'est un petit peu... ils ont d'autres chats à fouetter, quoi. Mais bon, au final, les Houthis, ça a l'air quand même un petit peu
au-delà de Déter, on va dire, quoi. Faut voir aussi la gueule de cette guerre, ouais. Puis bah, là, sur le coup, c'est une guerre qui est mal documentée. Et en plus, surtout, qui désintéresse tout le monde. C'est surtout ça le truc crucial. Donc, livraison d'armes et transfert de technologies. Les experts des Nations Unies et d'organismes de recherche tels CAR, Conflict Armaments Research, ont largement documenté les livraisons de Kalachnikov, bon ça c'est pas de la haute technologie, de missiles anti-chars et de munitions par bateau, qui s'étaient approvisionnés en Iran. Dans un rapport publié en février 2023, l'ONU raconte comment 4 Yéménites ont été recrutés à Mocha, alors je crois que ça c'est plutôt à l'ouest du pays, puis envoyés à Téhéran via Oman, le sultanat juste à côté. Ils en sont repartis dans un bateau chargé de 170 tonnes d'engrais utiles pour fabriquer des explosifs avant d'être interceptés par la marine américaine dans le golfe d'Oman, justement. Petite gorgée d'eau, parce que je n'en puis plus de lire sans m'arrêter. Les Houthis sont aussi capables de fabriquer leurs propres drones explosifs, selon Carr, directement dérivés de modèles iraniens. Ils disposent enfin de missiles balistiques et de croisières, version, mais donc ils ne dépendent pas de l'approvisionnement, maintenant ils savent faire les leurs. Version légèrement modifiée des cadres et des codes fabriqués en Iran. Donc, je ne sais pas à quel point c'est vénère comme missile. Cet arsenal leur a permis de viser à plusieurs reprises des installations pétrolières en Arabie Saoudite qui partagent une frontière de 1500 km avec le Yémen. Avec le nord du Yémen et aux Émirats. Après plus de 8 ans de guerre, sachant qu'aussi c'est pareil, dans la guerre du Yémen, il y a eu des bisbilles entre MBZ et MBS, entre Ben Salman et Ben Zayed, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle, entre les Émirats et l'Arabie Saoudite, où ils étaient censés aider conjointement, et en fait au final il y en a un des deux qui s'est désisté. Et... ils résistent à Israël et aux États-Unis. Alors je sais pas, est-ce que les États-Unis ont tenté d'intervenir militairement là-bas ? Et résister à Israël, bon, ils sont pas trop concernés, ils sont quand même à 1500 bornes de là, tu vois. Je sais pas, c'est... est-ce que tu vas dire que le Vanuatu, il résiste à Israël, tu vois, c'est... ils ont aussi de meilleurs officiers généraux au Yémen, dans l'armée considérée comme légitime ou celle des Houthis. N'hésite pas à monter vite fait Mourad, vu que t'as l'air d'avoir un positionnement bien, bien ancré, si tu veux venir nous en toucher deux mots avant qu'on rende l'antenne et qu'on aille chez Kali. Après plus de 8 ans de guerre, le conflit est aujourd'hui gelé sans perspective d'un règlement politique négocié. Ah bah est-ce qu'on va vers une partition du Yémen ? Je sais pas. La population, elle n'en finit plus de souffrir. Près de 25 millions de Yéménites, soit les 3/4 de la population, ont besoin d'aide humanitaire pour survivre. Une femme meurt toutes les 2 heures pendant sa grossesse ou son accouchement, faute d'accès aux soins, selon le Bureau de coordination des affaires humanitaires de l'ONU. La situation ne fait qu'empirer. Les Houthis, alors c'est là, je ne sais pas si c'est spécialement des résistants sur le coup, là je trouve que c'est quand même pas très cool. C'est au moins pas très chevaleresque de leur part. Les Houthis refusent toujours de payer les salaires des employés des hôpitaux. Des hôpitaux qui sont dans leur zone, hein, estimant que c'est au gouvernement loyaliste et à son allié saoudien de le faire. Si vous avez pris la zone, maintenant vous la gérez, les gars. Vous n'allez pas demander à l'ancien occupant de la zone de continuer à payer les gens. Ça n'a pas de sens. Mais du coup, les gens dans les hôpitaux sont plus payés. Pas ouf. Le blocage couplé à une baisse des financements internationaux a poussé plusieurs agences des Nations Unies à réduire les indemnités de compensation qu'elles versaient. Là où une sage-femme touchait 300 euros par mois, elle n'en touche plus que 105. Pas tout à fait divisé par 3, mais bon, c'est ce qu'explique Remy Meurant. Donc lui, il revient de là-bas, médecin pour Médecins Sans Frontières, après une mission de 2 ans au Yémen. Cela pousse des personnels qualifiés, qui ne sont déjà pas assez nombreux, à quitter les hôpitaux pour aller dans le privé. MSF observe une hausse des cas de malnutrition, alors même que le Programme Alimentaire Mondial a annoncé le 5 décembre la fin de ses opérations dans les régions contrôlées par les Houthis. Donc ils continueront d'en envoyer au Yémen, mais pas dans les régions des Houthis. Donc à Aden peut-être, mais pas à Sanaa. Près de 1450 enfants malnutris ont été hospitalisés dans les 2 hôpitaux de l'ONG dans le Nord en 2023, soit une augmentation de 70% par rapport à 2020. Nous avons multiplié par 3 le nombre de lits. Nous arrivons à nos limites, dit Rémi Meurant. Puis j'imagine qu'il y a aussi une limite au nombre de lits que tu peux mettre s'il n'y a que 2 hôpitaux. L'épidémie de rougeole explose, tandis que la polio et le choléra menacent de se propager. Les Houthis ne s'en préoccupent pas.
opposés au vaccin, persuadés que les États-Unis s'en servent pour diminuer la fertilité de la population yéménite. Pas très très basé là sur le coup quand même les gens. Ils laissent les centres de santé pratiquer les vaccinations, mais ont interdit les campagnes massives dans les villes et villages. Ils diffusent aussi une propagande anti-vaccin sur les réseaux sociaux et à la télé. Rémi Morand en est persuadé. L'année 2024 verra l'effondrement du système de santé yéménite. Alors, tout le Yémen ou de la région qui est sous le contrôle des Houthis, qui est considérable. En août, les Nations Unies auraient récolté moins d'un tiers des 4,3 milliards de dollars, environ 3,9 milliards d'euros, d'aide humanitaire qu'elles espéraient pour le Yémen. Et ce qui ne va certainement pas aider le système de santé là-bas. Et salut, Snookers. Comment on va ? En une heure et demie, on aura fait... 1h31, on aura fait le Yémen, Orban, l'Ukraine, Gaza, l'Argentine, le canard enchaîné. Est-ce qu'on peut faire plus ? J'espère que vous avez apprécié qu'on arrive à faire autant de sujets en aussi peu de temps. Je vous propose peut-être à l'ours un mot de la fin, si tu le souhaites, avant que l'on déclenche le raid. Et moi, je veux remercier toutes les personnes qui ont donné. Moura, Cassandra, Elia Rev, Jenna, Mirko, Dadao, Habitus, Noctoparo, Gaulois Kiki, toutes les personnes qui ont resub, évidemment, Magic Horse. Et n'hésitez pas à follow si vous découvrez la chaîne. L'ours, je te confie l'ultime bafouille. C'est pas vraiment un mot de la fin. Ce n'est que le début. Le début, bien évidemment, qui se poursuit chez Kali. Évidemment, et du coup, eh bien, montez toutes et tous dans le train du raid. C'est-à-dire, ne bougez pas, en fait, si vous voulez monter dans le raid. Restez juste ici, et on va pouvoir aller chez Kali. Demain après-midi, est-ce qu'éventuellement ça te va demain après-midi pour avoir la discussion sur... Il est en train de dire des trucs vénères. Eh bien, nous verrons. Et pourquoi il n'y a personne dans le raid ? Bon, tant pis, on lance quand même. On peut la mettre sur CanardTube, demande Gichi. Je pense que les gens, ils avaient déjà été chez Kali. Ouais, potentiellement, il faudrait que je programme Restream pour envoyer aussi vers CanardTube. Le truc, c'est que... Sur CanardTube, je sais pas qui y parle. Ça prend très vite de la place, quoi. J'ai 50 gigas. Bon, maintenant, ça fait des années que je dis ça. Merci, Daimon, qui arrive enfin. Enfin, Daimon est là, voilà. Pourquoi enfin ? Yes, je t'ai répondu. Ah, d'accord, j'ai pas vu que tu m'as répondu. Mais ok, bah du coup, demain après-midi, quelle heure te va ? Quel qui est vénère. Pas trop tôt. Hein, je me suis levé tard aujourd'hui, donc.